Ah, ça veut dire qu'il faut que j'y retourne avec sa tête ici. Maintenant, on va aller à l'entrée de la grotte qui se situe juste là, qui est donc une grotte extérieure, qui n'est pas connectée à celle du dragon. Ah bah le repère des géants. Impeccable. Ouais, enfin impeccable. Un bien grand mot. Une grosse porte. Très très grosse porte. Voilà. Géant des collines. Par contre, beaucoup de potions vont être utilisées. Là, tu es, ouais, tu es. Là, on dirait une prison. Impeccable. Oh, par contre, j'en ai plus des potions de soins intensifs là. Je pensais que j'en avais plus, mais largement plus. Bon. Un ours sanguinaire, deux ours sanguinaires qui ne gardent rien. Donc passons. Prenez garde à ma colère! Ah, Damien et ses idées. Quand tu veux pour m'aider. Je vais quand même me reposer de temps en temps parce que j'ai pas très 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 envie de d'utiliser toutes mes potions. Du coup, après cette grotte, je vais faire un tour en ville pour rechoper de la potion. Il y avait un piège. Messieurs, bonjour, je vous vole un coffre. Non, toi, grosse merde. Potion! La rage du tigre rouge! Ah! Que le sol vous engloutisse! Ça a ramé là pour une raison. Pour une raison que j'ignore. Ouais, alors par contre, j'ai pas envie de me faire laminer comme, comme une sourasse. Et de tout reprendre 4 mètres, 400 mètres plus loin. Donc, combat. Combat, repos. Ah, ça tape dur quand même, ces géants. Voilà. Donc, ça, j'irai tout à l'heure, j'ai juste
vérifier. Voilà. Alors oui, alors j'attends. Hey putain. Ah oh, mais ce personnage. Putain, le personnage. Là, mon personnage a fait n'importe quoi. Donc là, je fais le tour, normalement. On safe-ise la zone. Là, il y a une porte. On fera ça plus tard. Ah, vache, ils ont sauté. Oula. Voilà, Dalin, prends-toi les dégâts. Prends-toi bien les dégâts, Dalin. Et c'est moi qui bouffe tout là. Cette arnaque. Il y a une arnaque. Ils se sont mis contre moi. Ah parfait. Si j'arrive à rechoper de la potion. Si j'arrive à rechoper de la potion, et ben je ne crache pas dessus. Et donc là j'ai fait tout le tour. Rapide, simple et efficace. Mais ça fait vachement mal, ça fait du 20 de dégâts. Et donc là, la grosse salle avec... Ils étaient cachés. Ah, par contre, Dalin, merci. J'avoue que t'as beaucoup servi là. Je suis juste déjà en santé critique. Putain, mais il réussit tous ses renversements, ça c'est cool. Ah, il y en a un autre, oui, c'est vrai. Il y en a deux autres. Du coup, débrouille-toi, Dalin. Mais impossible d'atteindre la cible, tu peux te décaler. Oh, elle te fiche pas de moi. Allez le dernier, bien. Oh, mais là il y a du coffre. Il y a beaucoup de coffres. Et donc là j'ai fait le tour. Il y a cette porte là à aller voir qui doit être le chemin de ce côté. Potion. Là. Pour l'instant, ça se passe bien. Du coup, je vais faire cette grotte et après, je vais m'arrêter pour cette grande session. Je ne sais pas combien de temps ça va durer encore. Là, j'aviserai. Donc je me mets juste ça en ouvert. Voilà, ça c'est ouvert, c'est bon. Pour l'instant tout est ok. La porte est ici. Et là, qu'est-ce qui... Oh, bah c'est une petite zone nulle. Petite oui. Non, tais-toi, ouvre la porte. Ah bah, il y avait un piège. Je suis paralysé. Je clignote rouge. Ah, je me suis pris 51 de... Ah, ouais. Non mais sinon je le vis bien. Je le vis bien, j'étais paralysé. Je me suis pris un petit 50 et quelques de dégâts. Non mais tout va bien, écoutez.
tout va bien. Bon. Voilà, j'ai ouvert la porte. Ah non, c'est une salle à part avec... Oh, des gens. Voilà. Ah mais il y a des renversements qui touchent. Petite bière. Ah, gros coffre. Et après, il faut aller plus bas. 146. Ouais. Ah, j'ai envie de te dire que si j'entends le million, 394, pas mal. Je serais prêt à acheter un sac sans fond à 100 000 pièces d'or, qu'il n'y aurait aucun problème. Oh, un ogre berserk. J'ai un problème avec orc et ogre. Oh, en dérouillage. Ne dérouillez. Oh, alors là, la dérouillée qui s'est pris. Ouah. Ça rapporte que 9 d'XP, ça. C'est peu. Je m'attends à trouver... Voilà. Voilà, voilà. Je m'attendais à en trouver un dernier. Ah, celui-là a l'air... Champion géant des collines. Ah, bah celui-là me semble un peu plus... ardu. J'ai l'impression qu'il lance des potions, ouais. Donc il sait utiliser des potions et il frappe beaucoup trop fort pour moi. Ah, renversement touché. Ah non, c'est lui qui touche. Dalla va crever, Dalla va crever, Dalla va crever. Et merde. Et merde. Ah, Dana, elle est crevée. Je l'ai vu en plus. Par contre, ça fait un moment que je n'ai pas de dégâts là. Oh, un 18 qui est passé. Et ben voilà. Oh, par contre, il doit être deux fois. Oh, Dana, il prend tellement cher. J'aime bien ce genre de combat où il se passe rien. Puis alors, sans musique, c'est encore mieux. Sans musique, c'est trop bien. Grosse action. Renversement touché, pour qui? Par contre, là, c'est moi qui vais mourir. Ah lol, MDR. MDR débarque. Écrasez-toi, toi mort.
là. Ah bah là, bizarrement, je lui ai mis des dégâts, ça passe. Non mais je... Ouais. Pourquoi pas. Ah, merci le 41. Il s'est soigné. Ah, agonisant. Allez, agonisant. Mais il s'est mis un bouclier ou bien? Parce que là, je vois aucune... Il y a rien qui m'indique qu'il a absorbé... Ah! Non, mais c'était... Il avait un enchantement sur lui. Allez, un petit drop. Au moins pour la beauté du geste. Du vin! Trop cool. Bon, ça on me la fait pas. C'est piégé. Voilà, c'est un qui prend tout. Oh, des bottes. Des bottes. La deuxième potion. Bottes de gargouille. Peau de pierre. Ouais. Pas très très utile tout ça. Encore que. Bon, il faut descendre maintenant. Non mais... Personnage extrêmement stupide. Non mais... D'accord, si tu... Oh, les mecs... Non mais les... Oh là là... Alors par contre, pour aller là, je sais pas comment vous allez faire. Est-ce que vous allez faire n'importe quoi? Non, ils font pas n'importe quoi. Et donc, plus loin, plus profond, il y a... Ah, une carte plus petite déjà. Une carte plus petite. Allez. Oui, ça y est, toute la vie est revenue. Comment qu'on descend? Comme ça. Là par contre, les gros combats vont commencer. J'ouvre cette porte, je vais me ramasser 3 tonnes de d'ogres ou de conneries. Ah bah ça commence, attends. Déjà là il y en a beaucoup. Ah puis c'est... Ah c'est que des élites. Ah c'est... C'est que des élites mais j'ai de la chance. Enfin on a de la chance, ils sont en couloir. Bon, ça c'est un problème en moins. Bon, on va pas faire milieu de suite, on va faire droite. Si on va aller faire milieu de suite. Comme ça ce sera fait. Salut. Écoutez à ma colère. Bah y'a qu'un orc avec une porte. Et un petit coffre. Il y en a un second là-bas. Parfait. Là, un coffre. Là, il y a une porte. Un autre coffre. Et le coffre là aussi. Pour l'instant, il est ok. Is ok. Bon, ça va tranquillement crocheter. Impec. Et donc, dans ce coffre, une baguette magique de feu que je ne peux pas utiliser. Dans le gros coffre. Alors, attention, est-ce que c'est un objet utile? D'accord, un livre, une potion, un antidote. Un antidote, par contre, je garde. Ça peut être utile. Et de l'or. On va faire la porte là. On va faire la porte là. Ah, elle était piégée. Alors, je l'ai vu. Je l'ai vu. Quelques secondes.
Ah, j'avais vu, je l'avais vu. Oh bah juste une salle avec un élite. Ah non, un chef géant. Chef géant. Par contre, si tu voulais te retourner. Allô? Merde. Oh là là. Le jeu a quelques problèmes aujourd'hui. Ouais, le jeu a. Le jeu a visiblement des gros problèmes même. Ah, par contre là le chef géant des collines il résiste bien. Ah ça y est, c'est fini. Oh, il a utilisé une petite potion. T'as 320. Ah mais je suis déjà à 102 000. Oh là là. Ah là là, mais les level up s'enchaînent. Des level up qui s'enchaînent comme ça va être bien. Alors. Une dague. Une dague. Je vais pas l'analyser. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un drone. Oh, évidemment. J'ai pas vu qu'il y avait un drop. Oh. Notre protection plus 2, c'est juste le deuxième que j'ai. C'est pas grave. Oh. Une tête de géant des collines. Waouh. Ah, mais c'est fini. Oh, bah cool. Et des notes. Alors, cette lettre a été rédigée d'une écriture malhabile, presque enfantine, et le texte est d'un orthographe approximatif. Au vu du son médiocre au pied de la page, il est aisé de déduire qu'il s'agit d'une sorte de correspondance officielle du chef des collines. Vous, grand maître, moi, pas vouloir être écrabouillé, tribut à moi, donner tribut et œufs et tout, nous vouloir beaucoup de or, géant de feu, dire vous, bon maître, nous vouloir être amis, clôte, être chef, nous servir. Alors écoute, je vais donner ça au dragon. Je crois que c'est ce qu'il voulait. Le dragon. Ah ouais. Ah écoute. Le dradra, si je peux l'avoir en ami. Eh ben c'est cool. Me prends une petite potion par contre. Alors, à droite ou à gauche, mettons ici. Salut! J'ai battu votre chef au fait, hein! Ouais, enfin, toi con surtout. Toi extrêmement stupide. Voilà, on avance. Encore des coffres et des barriques et du loot. Plus de loot, des saphirs j'en ai trop par contre. Crochetage. Crochetage. Ouais, franchement roublard ça doit être la meilleure classe dans le jeu. Parce que vu tout ce que je crochette, ah je ne regrette rien. Je vais quand même attendre que mon sens détecte si piège a été détecté. Des cages d'alors. Non, pas de piège. Des potions d'aide. Les potions d'aide, je m'en sers zéro. Il y avait un piège et j'ai pris 40 dans ma gueule. Des bottes de 7 plus 4. Mes bottes à moi, c'est des quoi d'ailleurs? C'est des bottes d'elfes, c'est vrai. Et ça fait quoi? Dextérité plus 2, 10 déplacements silencieux. Moi, enfin, déplacements silencieux, j'utilise plus trop. Et ça, ça me fait. Constitution plus 4. Ah!
123, je passe à 100. Je vais garder les bottes de 7 lieux plus 4. Ouais, je vais les garder. Ah, petit plus 4 de constitution là. Ah, ça fait du bien. Ah, on se met yimbe. Ah, on se met yimbe. Je suis à combien de constitution? Je suis à 5 de constitution. Wouah. Ah, ça c'est cool. Cool. Par contre, repos. Ah, je suis bien. Ah, je bouge plus. Ah, je bouge plus. Non, c'est ça. Je suis au sud. Un piège. Oh, des grizzlies. Salut les bébêtes. Oh, un tigre sanguinaire. Waouh. Je suis choqué. Bourdonnant. Ah, mais ce 151 de vie était inespéré. Par contre, il y a beaucoup de coffres. Ça se demandait pourquoi les géants ont des coffres en fait. Ah mais c'est une vraie question en plus. Pourquoi les géants ont des coffres? Moi je veux savoir, je suis... Je veux savoir quoi. Oh, il y avait un coffre à 42, pas mal. Il y avait un piège. Oh! Alors. Hop, 40... Ouf, 45. Ah! Port d'un mur lourd de... Non, c'est pas possible. Petite pièce. Petite piécette. Comme impossible. Quoi, tu vraiment? Vraiment, j'ai échoué. Oh oui. Bon, bah on est encore vivant. Pour un sceptre. Pour un sceptre de merde. Là, je suis... Je suis salé, là. Je suis tellement salé. À un point. À le point de... Ah, je suis salé. Là. Tout ça pour un sceptre. Putain, quand je vois ma vie qui remonte, là... Ah, mais ouais... Bon, donc la porte en haut maintenant. Parce qu'il y avait une petite porte en haut. J'ai sauvegardé. Ah, il y avait même une barrique en haut. Il y avait une petite barrique. Oh là là. Et là, il y a... Ah, j'ai le feu. That's wrong. That's not good. Seems good. Seems good. It's okay. Okay. No, it's okay. Seems good. Oh, that's okay. Okay, it's good. It's good. Not afraid. It's good. Ah, une note encore. La tête est réjouie dans ses défauts de ce professionnel. La tête est frappée d'un son fronté de dragon. D'accord. Un chef sage. D'accord. Alors, des intacts. Oh, tcha 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 tcha. Ah, il y a un complot. Un complot à base d'œufs de dragon. Ah, j'en connais une qui va me baiser les pieds. Qui va me lécher les pieds quand elle va savoir ça. Ah. Est-ce que c'est un bon effet de se faire lécher les pieds par, par une langue de dragon? Ah, elle va me faire des bisous avec sa langue. Des bons gros bisous. Alors attention, le piège, même pas. Ah, potion. Potion, je dis oui. Vous dites qu'on brûleur, je dis encore plus oui.
Bon, avant d'aller à cette dernière porte, et pour finir la session, petit repos quand même, hein, parce que j'ai pas très envie de perdre. Voilà, juste une petite interruption pour un appel manqué, mais ma vie est géniale. La vie est super trop fun. Et donc là, c'est bah, cette dernière zone. Et après, c'est fini. J'ai bien fait de rester devant la porte et de ne pas mettre le de cuisinier. Oui. On va me faire croire que les ogres savent cuisiner. Bah, écoute, si, ah, si je trouve un œuf en drop, je vais l'avoir un peu mal. Mais a priori, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a des choux. Il y a des choux. Il y a des fourneaux. Ah, salut. Vous êtes? Je suis une garde. Ah, les gens vont capturer lors d'un raid contre ce campement. Ils ont combattu. Claude. Claude, mais qui est-ce? Ce nom magnifique a été évoqué au sein de mon peuple. On dit que Claude. Que veut-il faire avec les autres dragons? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ok. Bon, bah, une prisonnière. Il y a un piège juste devant ma gueule. Et un autre prisonnier des... Prisonnier géant des collines. Bonjour monsieur. Bienvenue. Oh, salut, vous êtes un garde de la tribu de l'aigle, ok, pour me parler du genre. Ah là blabla, là 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 là, ah là là, que c'est dommage. Voilà, 100 d'XP pour chaque prisonnier, c'est pas dégueu. Et en plus, on récupère des coffres. Et ben voilà, on en sait un peu plus. Faudra juste informer la dragonne. Oui, parce que c'est une dragonne, si j'ai bien compris, parce que c'est la plus belle. Donc, un coffre. Et un coffre. Et il était piégé celui-là. Non, MDR. Restauration suprême. Et Tidar plus un nid de vipère. Incroyable. Mon sac est trop lourd. Oui! J'ai du mal à le porter. Eh bah, tant pis, mon grand. Bien, c'est là-dessus que se termine cette petite session sur Neverwinter Night. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout, d'avoir regardé soit l'épisode, soit la session, soit la playlist jusque-là. Merci beaucoup. Si ça vous plaît, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à me suivre sur Twitter et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine sur Neverwinter Night.